Il faut dire que déjà, félicitations, hein, coach. Comme j'ai dû te le dire à notre premier entretien, j'ai beaucoup cherché des formations en ligne et tout ça, j'ai beaucoup hésité. Mais les formations gratuites, aux formations gratuites, j'ai vu que tu maîtrisais ton sujet et je crois que je ne me suis pas trompée. Franchement, j'en avais besoin. J'ai énormément de choses à apprendre, énormément de lacunes, comme je t'ai dit, dont je suis consciente. Et honnêtement, quand j'ai fait la formation en ligne, je me demandais enfin, quand j'ai vu faire un à un chaque semaine, mais je dis, mais attends, qu'est-ce qu'on va se dire toutes les semaines? Mais ah, au bout d'un moment, on n'a plus rien à se dire, ça devient redondant. Enfin, je ne voyais vraiment pas comment on pouvait le faire toutes les semaines. Mais là, franchement, j'ai beaucoup appris, je vois, j'ai appris comment. Je peux effectivement faire monter mon collaborateur en compétence parce que il faut avouer que la délégation qu'on faisait là, en réalité, très souvent, c'était pour faire plonger les collaborateurs parce que il n'y avait pas tout l'accompagnement qu'il faut, il n'y avait pas toute la méthode. Mais après, on est surpris que le collaborateur, ça fait longtemps qu'on essaye de, enfin, on lui confie l'action, on essaie de revenir dessus à chaque fois, mais il n'arrive pas à maîtriser. On est surpris parce qu'on a, finalement, on n'a pas la méthode, c'est nous qui le faisons mal. Et je me rends compte que, en réalité, tout ce que mon équipe, tout ce qu'on peut reprocher à mon équipe, en réalité, vient de moi. C'est moi qui n'ai pas forcément la méthode qu'il faut. C'est moi qui n'ai pas forcément su les amener où il faut. Donc, c'est des gens, c'est un peu comme un enfant qui naît. C'est une page blanche et nous, on écrit une histoire avec lui. On lui apprend des choses. Donc, des gens qui sont dans mon équipe, c'est à moi, en fait, de leur inculquer une certaine valeur, une certaine façon de travailler, une certaine rigueur et tout ça. Et si ça manque, c'est effectivement moi. Aujourd'hui, je comprends mieux, en fait, le rôle du manager, je comprends mieux comment le manager en fait peut fédérer son équipe, quels sont les outils, parce que tous ces outils que j'ai appris là, franchement, j'en avais jamais entendu parler, toutes ces méthodes et jamais non plus aucun de mes managers n'a appliqué de un à un. On attend toujours les évaluations RH en fait pour le faire. Donc, on a appris de la mauvaise façon aussi. Et c'est ce qu'on a vu là, qu'on a transféré aujourd'hui. Et donc, bon, Dieu merci, il y avait cette soif-là d'apprendre autre chose, de voir comment vraiment manager. Et qui a fait que de fil en aiguille, j'ai pu tomber sur toi et je ne regrette vraiment pas. Donc, je vais m'arrêter là, mais bon.